Anticiper sur les opportunités de la fintech en Afrique et présenter les innovations du secteur sur le continent. Tels sont les objectifs que se sont fixés les initiateurs de la 4e édition du Next Fintech Forum. Durant 2 jours, les participants venus de plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Congo et le Maroc, vont échanger sur les stratégies à adopter pour davantage développer le secteur. À travers cette rencontre-là, déjà pouvoir identifier les problématiques majeures, anticiper sur les changements majeurs, sur les changements structurels de l'industrie financière, sur le prisme du digital. Mais on voudrait surtout que les acteurs puissent, au-delà de juste échanger, pouvoir se rencontrer, collaborer. À l'ouverture de l'événement, un panel a été animé par des experts sur l'avenir de la fintech en Afrique. Le Marocain Abdelmounaïm Faouzi, qui a partagé son expérience avec les acteurs du secteur, estime que la fintech est d'une importance capitale pour le développement du continent africain. Il y a eu un échange très très riche avec des intervenants de qualité qui a permis d'éclairer un peu un certain nombre de zones, notamment liées au financement des fintechs, les dangers auxquels sont exposés les fintechs, notamment à tout ce qui est criminalité cybernétique. En Afrique, le nombre de start-up de la fintech a augmenté de 81% entre 2019 et 2021, passant de 311 à 564. Une progression qui met en évidence l'intérêt des populations pour ce secteur. Les différents participants indiquent que le forum peut fortement impacter ce domaine. Les fintechs jouent un rôle principal, mais ça ne saurait se faire de manière pérenne sans la collaboration de tous les acteurs. C'est d'avoir toutes les parties prenantes de la fintech africaine réunies dans un seul lieu en train de discuter et l'existant, bien sûr, mais aussi surtout les perspectives. Plusieurs rencontres et conférences B2B sont prévues à ce grand rendez-vous du monde de la fintech en Afrique.